personne n'est pas fiable. On continue, les amis. Mon basket. Ok. Ok. C'est les souvenirs là-haut, je crois pas. Je crois pas qu'ils vont nous faire monter. On va aller par là. Soit par là, soit par là, là y'a quoi. Ouais. Je ne sais pas par où aller. Oh, de toute façon. T'as été capturé. Oh, malin. Qu'est-ce qu'on trouve en bas? Oh oh! Pas un zurk toi, mais qu'est-ce, mais qui es-tu? C'est mon badge que tu penses? Comment tu as trouvé? C'est mon fils t'envoie? Oh, Samus, petit futé. Je suis seul ici depuis Dénus, je suis venu tester mon défluxeur, mais il y a eu un pépin. J'aimerais rentrer chez moi, mon fils me manque terriblement. Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. Alors déjà, on va se rappeler. J'ai vu des humains porter ce genre de tenue. Ils étaient petits et couraient partout en faisant beaucoup de bruit. Oh oui, je me rappelle maintenant, c'était des enfants. Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux. En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier. Doug dit que Samus lui manque, c'est la même chose? Triangle. De laisser nos empreintes de chat. Voilà qui est fait. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? T'as pas une partition, toi? Non? Laisse-moi réfléchir. Voilà. Et attention avec le défluxeur. À charge pleine, les yeux l'en fait de la bouillie. Ce petit coquin consomme 1,21 gigawatts et ce truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur qui est dehors. Mais il ne démarrera pas, je crois qu'un fusible a fondu. Et avec tous les yeux, je ne peux pas prendre le risque de sortir pour le remplacer. Je ne suis pas assez rapide, mais toi, si. Si tu parviens à atteindre le générateur et à remplacer le fusible, je devrais pouvoir recharger le défluxor. Allez, suis-moi, je vais te montrer quoi faire. Allez, on y va. Let's go. Allons récupérer le générateur, les amis. On va mettre à Doc de enfin pouvoir passer les câbles. Je suppose. T'as des câbles qui sont là. Tiens, prends ce fusible, il est tout neuf. Oh. Allume le générateur, va faire du bruit et attire les urcs. Quand tu auras réparé le générateur, je pourrai charger et allumer le défluxeur. Il suffit de suivre ce câble, hein, c'est ce que je pensais, de remplacer le fusible et de me retrouver ici. Bonne chance. Allez, c'est parti. Allons sur le câble. Hop. Hop. Icozo.
Ouais. Ça a l'air d'être assez simple, mais je pense que dès qu'on va remplacer, c'est là où ça va piquer, c'est que ça va attirer tout le monde et c'est le bordel. Oui. Oh. Oh yeah. Bon. Qu'est-ce qui fait du bruit? Bonjour! Ah oui, la violence! J'ai confiance. C'était limite. Oh, qu'est-ce que c'est limite? Génial! Tu as rallumé le générateur. T'as vu comme le Duflixor est puissant? C'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Attends une minute, je pourrais peut-être fixer ce Duflixor sur ton drone. On va tout faire cramer. Yeah. C'est bon, le Defluxor est maintenant fixé son joli drone. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec aussi peu de puissance, si tu y trouves, il peut dysfonctionner. Mais n'oublie pas que c'est dangereux, et maintenant, retourne au village, fiston. Me voilà. Enfin, piston, me revoilà. Plutôt que piston, me voilà. Je te follow. Elle élimine ses œufs pour qu'on puisse passer. L1. Ouais, ça marche pas bien, mais comme je le craignais, il y a la surchauffe. Dans ce cas, laisse-le refroidir un peu. J'espère qu'il tiendra le coup jusqu'au village. Vas-y, Doc, ouvre la porte. Cours. Les interphones ne fonctionnent pas. On dirait que l'électricité a été coupée. Attends, il y a un câble. Je peux pas m'y porter. Enfin, m'y porter. Ça va. On pousse. Ouais, j'ai bloqué malheureusement. Je suis un peu. J'aurais pu me mettre avant dedans puis rouler, mais voilà. Maintenant, on peut se mettre dedans. Faire rouler ce machin jusqu'au truc rouge où il y a le câble de l'interrupteur où on doit aller. Voilà, juste ici. On peut sortir. Sauter et hop là, alright! Et maintenant, découvrir tout ça. Embêtant ça, avoir des plaisirs que vous en faites comme ça. Ah, il manque ça! Laisse-moi tranquille là! Je ne veux pas vous tuer, vous êtes gentil. Je vais aller où? Je vais aller où? Je vais faire quoi?
peut enlever le... On peut se retourner. Non. Ah! Ah! Que faut-il faire? Que faut-il faire? J'ai mis, je suis perdu. Ok, fallait juste attendre Duck en fait. Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire avec nous, puis de les coincer avec le, les rails en fait. Les portes de métal, mais en fait pas du tout. Là, on est quand même obligé de tuer les... Les Zrooks. Allons-y! What? What? Papa? Oh. Merci d'avoir sauvé Doc, petit. C'est vraiment chouette que Seamus ne soit plus seul. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les Zurks. Momo t'attend du côté des égouts. Doc et Seamus ont l'air contents. Je crois qu'on a bien travaillé tous les deux. Les amis, on s'arrête là. C'est la fin de cet épisode. Je crois que ça a bu et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao tout le monde. Portez-vous bien.